Bye.
Ô charmante étoile de Bethléem, brille très loin dans les ténèbres. Répands ta lumière sur tous les perdus. Conduis les sages hommes à la voie jusqu'au lieu où Christ est couché. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Charmante étoile de Bethléem, lui sur nous tous jusqu'au lobe de gloire. Éclaire-nous le chemin qui nous guide à la terre du jour parfait. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Ô charmante étoile, que l'espérance guide dans le pèlerin la nuit, sur les sommets jusqu'au lever du jour. Fasse sortir de la lumière du parfait jour un beau rayon. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Ô charmante étoile de Bethléem, vise sur nous tous jusqu'au lever de gloire. Éclaire-nous le chemin qui nous guide à la terre du jour parfait. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Charmante étoile, l'espoir de paix pour les chrétiens, les vrais bénis. Là-haut, lorsque la couronne est gagnée, Jésus est donc cette étoile divine, toujours brillante qui luira. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Charmante étoile de Bethléem, vise sur nous tous jusqu'à l'aube de gloire. Éclaire-nous le chemin qui nous guide à la terre du jour parfait. Que l'étoile de Bethléem vise sur nous. Amen. Thank you.
chanter. Nature, nature et ciel, chanter. Avec équité, il règne. Fait connaître aux nations la gloire de sa justice, son amour merveilleux, son amour merveilleux, son amour, amour merveilleux. Amen. 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 Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, chers chrétiens, ce soir. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse ce soir. Nous allons emboîter une part de la chorale par nos chants de congrégation. Numéro 245. Numéro 245. 245. RC 245. Ce sont les trois couplets. C'est chanté par la famille Mouillet d'abord. Famille Mouillet va chanter d'abord les trois couplets. Cher souverain, entends mon cri. Entends-moi, entends-moi. Tout tremblant, je fus vers toi, sauve-moi la croix. J'ai péché, mais tu mourus. Tu mourus, car je me donne dans ta grâce, sauve-moi à la croix. Jésus-Christ, reçois-moi, je ne t'attisserai. Je t'en prie, béni, sauve-moi à la croix. Chantez les trois, pas la famille Mouillet. Après introduction. Le Seigneur va suivre ce soir. Hein. Il a pris le Seigneur ce soir. Amen.
Amen. Donc, nous allons prier soir avant ce soir. Amen. Nous allons connaître le chant en chantant le numéro 249. Numéro 249. Jésus, mon Dieu, je prie à toi, aide-moi sinon je mourrai. Apporte ton salut gratuit, prends-moi tel que je suis. Pour notre rachat. Oui. Seigneur Jésus, merci. Amen. Nous sommes en nation pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as créés et tu as vu notre état et toi-même tu es descendu. Tu t'es fait sacrifier l'amour. Tu nous aimes, c'est pour cela que tu es. C'est ce que nous commémorons en ce moment-ci. En aussi, tu as payé le prix. Tu as payé le prix de tu as payé le prix de nous vivions avec toi. Tu as payé le prix pour nous reconnecter avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Merci. Amen. Le sang qui rend Seigneur, nous sommes venus. Ce soir, nous voulons être purs. Seigneur, tu connais chacun de nous. Nous sommes. Tu es devant toi. Chacun dans sa maison. Mais nous sommes devant toi comme un petit groupe. Tu nous vois tous. Seigneur, le groupe descend ton esprit. Amen. Amen. Jésus, descend ta sanctification. Amen.
sanctifie. Amen. Je Amen. D'envoie le feu. Amen. Amen. Baptiste. Amen. Jésus. Amen. Jésus, tu as dit. T'entends que vient la foi. Seigneur, ce que tu vas mettre dans la bouche de ton serviteur, que ça touche notre cœur. Amen. Utilise sa bouche. Amen. Jésus, utilise sa bouche. Amen. C'est toi que nous voulons entendre. Amen. Oui. Seigneur, lui ne connaît pas ce que nous avons. Lui ne sait pas ce qu'il fait. Lui ne sait pas dans quel état nous sommes. Jésus, à travers sa bouche, révèle notre état. Amen. 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 Sa bouche, Jésus met en nous l'envie de pleurer, l'envie de pleurer sans ta grâce pour que soit notre soir, pour que ce soit notre nom soit écrit dans ton livre de vie, pour que ce soit tu revois notre nom dans ton livre de vie et que tu te rassures et que nous aussi nous soyons rassurés que notre nom y est. Jésus, ce soir, reçois-nous, ce soir, dis-nous, Amen. Pas l'esprit, Amen. Tu donnes la joie d'être ton enfant. Fais tout dans nos vies. Ce soir, gloire. Nous avons dit au sang de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Notre que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore ce soir réunis auprès du pied du Seigneur Jésus pour encore son message. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Nos annonces. Donc, comme nous le savons, les dimanches matin, comme nous l'avons fait ce matin, l'école de dimanche des enfants, des adultes et des jeunes, et après, culte de dévotion. Le soir, à 17h30, nous avons un culte de... Comme nous sommes en train de le faire, 17h30, on a un culte de réveil et d'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la semaine... La semaine est chargée parce que nous avons quelque chose de très spécial pour le Noël en décembre 2020. Donc, le vendredi, nous vous exhortons. Nous vous exhortons à venir se connecter avec nous pour que nous puissions voir ce que les enfants vont nous montrer. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse les enfants et que le Seigneur les apprête. Tout ce qui va sortir le vendredi, que le Seigneur bénisse cela, Amen. Que ça soit une chose de bénédiction pour toi et pour moi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui. Oh, ce jour-là, j'étais énervé contre moi, mais pourquoi ce grand Dieu-là, j'ai pu s'entêter à dire, je dois le voir d'abord. Mais une joie immense m'a jailli. Et vous savez, tout ce que j'ai fait pour mon papa, pour le blesser, j'ai voulu faire restitution. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Donc, quand le week-end arrivait, c'était une joie qui m'animait pour que je puisse aller faire une restitution. Mais lorsque j'ai pris le vélo pour aller, c'est près de 70 km ou bien 60 km, c'est comme si je flottais en l'air. Avant, quand je prenais le vélo pour aller, j'étais peiné. Mais ce jour-là, j'étais comme si quelque chose me poussait. Et j'étais arrivé au village. Quand j'ai demandé, avec joie, on dit que mon papa n'est pas là. Et voici ce que l'ennemi va me dire. Oh, toi, qu'est-ce que tu as vu? Oh, tout de suite là, que tu vas renier tout ça là maintenant. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, hein? Qu'est-ce que tu veux dire même? Qu'est-ce que tu veux dire même? Et une peur m'a terrassé. Je me suis agenu encore. Jésus, aie pitié de moi. Cette joie-là, je veux le ressentir. Et j'ai ressenti encore cette joie-là. Amen. Mais lorsque j'ai entendu la vespa de mon papa arriver aussi, l'ennemi est encore venu. Et je me suis agenu encore. Jésus, aide-moi. Je dois dire, je dois témoigner, je dois faire restitution, je dois faire restitution. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le Seigneur a eu le dessus. Quand il est venu, j'ai dit, j'ai fait ceci, j'ai péché contre toi, j'étais énervé, je suis contre toi, j'ai fait ceci. En même temps, il était content, il a commencé à prier pour moi. Et la joie inonde, a encore inondé mon cœur.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Toujours, le Seigneur est pour moi. Dans les hauts, dans les bas, le Seigneur a tout, a pris contrôle. Gloire à Dieu, à son Seigneur. Et le Seigneur, non seulement ça, il m'a aidé à avoir la sanctification, le baptême de cet esprit pour travailler pour lui. Dans ce village, dans là où on était, je ne pouvais pas apprendre la musique, mais il m'a dit, est-ce que tu as lu que c'est quelqu'un qui a appris à David son instrument? Est-ce que tu as appris Salomon? C'est celui qui, quelqu'un qui lui a appris? C'est moi qui donne l'intelligence. Ouais. Ah, le Seigneur, il est merveilleux. Ouais. De façon merveilleuse, lorsque j'étais à Cotonou et j'étais en train de prier, quand l'orgue a sonné, la chose, j'ai senti mon cœur secouer. Il a dit, c'est ça que tu dois jouer pour moi. Machin Dieu, Seigneur. Malgré ce que les gens disent, non, tu ne peux pas jouer hein, parce que c'est une seule personne. C'est le dirigeant seulement. Toi, si tu fais ça, oh, tu vas. Mais le Seigneur a pris le contrôle. Amen. Le mariage aussi, le Seigneur a pris contrôle. Et Amen. Les enfants, le Seigneur a pris contrôle. Et Amen. Le travail, le Seigneur a pris contrôle. Amen. Nous donnons à Dieu, il Amen. Prend contrôle de tout. Oui. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose, donne ta vie à Jésus et tu ne vas jamais regretter. Que Amen. Ça regrette, que ma vie est courte ou longue, que je suis pour, que je sois pour le Seigneur. Amen. 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 Mon âme éternelle, je remercie le Seigneur Jésus pour son amour. C'est lui qui a effectivement créé tout le monde et il aime tout le monde. D'une manière miraculeuse, il m'a montré sa voie. Il a ouvert mon cœur et j'ai un peu de pardon de mes péchés. Je lui ai demandé de me pardonner mes péchés. J'ai prié, il m'a sauvé. Je suis allé de là, il m'a sanctifié et il m'a baptisé par son esprit. Depuis, tout pour moi. Jésus sort toutes les prières. Oui. Nous apportons certaines requêtes de prière devant lui et nous savons où il en est, mais ma foi est qu'il agit pour nous. Oui. Il agit même dans l'ombre sans qu'on le sache. Je remercie le Seigneur Jésus pour moi. Il est un bon père. Oui. Quand on se donne à lui, on peut aller se coucher. S'il n'y a pas de péché dans notre vie, il est avec nous malgré tout. Oui. Il est avec nous, il prend contrôle de tout. Jésus prend contrôle de ma vie. Il prend contrôle de la vie de mon couple. Il prend contrôle de mon foyer. Remercie. Amen. À cause de moi, il protège aussi mes familles, mes frères et soeurs. Amen. Ça arrive, ça va m'impacter. Donc, il est... ceux qui tombent malades, il les guérit. Il est... Remercie le Seigneur Jésus pour moi. Je l'aime de tout cœur. Et je veux qu'il m'aide à demeurer fidèle à lui. Et qu'il m'aide à demeurer ma foi. Grandissent pour que quand après le sol, je sois comme il est, que je sois comme lui. Priez pour moi, mes frères, que le Seigneur Jésus non seulement me préserve, mais préserve mon couple, préserve mon foyer, préserve toute son église, préserve toute ma famille. Reaching out to be oppressed.
Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur te soutienne ce soir. Amen. Lorsque les prêtres te soutiennent ce soir. Le Seigneur là te soutient ce soir. Amen. Le Seigneur te soutient ce soir. Si tu veux donner ta vie, va te soutenir ce soir. Amen. Nous allons regarder dans 1 Jean 4:9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu, ce sont parle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour insondable, un amour qu'on ne peut pas expliquer, un amour sans fin, et comme dit-on dans les chants, un amour vaste. C'est un amour que Dieu a pu penser à toi et à moi. Et à travers cet amour, il nous a cherché, il t'a cherché aussi. Il nous a amené dans ça, que son nom soit le ce soir. Amen. C'est un amour qu'on ne peut pas même mesurer sa grandeur. C'est un amour infini pour nous. C'est cet amour qui a fait que toi et moi, nous avons reçu Dieu ce soir. Que son nom soit loué encore ce soir. Amen. Dieu est si fort, il est si grand. Dieu l'a fait ce programme pour toi et pour moi ce soir, afin que toi et moi, nous puissions avoir le salut. Que son nom soit loué ce soir. L'amour de Dieu ne peut jamais être comparé à quelque chose dans le monde. L'amour de Dieu est incomparable. On ne peut pas le comparer. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comparer à l'amour de l'humain. L'amour humain est limité, mais l'amour de Dieu n'est pas limité. Ce Dieu, il a aimé tout le monde, mais nous voyons que dans la force de l'homme, l'homme ne peut pas aimer tout le monde. L'homme va aimer une partie, va laisser une partie, mais Dieu, il a aimé tout le monde. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé ce soir. Que son nom soit loué éternellement. Amen. Son amour ne peut pas être comparé à qui que ce soit. Son amour est tellement un mystère pour toi et moi aujourd'hui. Si ce n'est pas à cause de cet amour, toi, tu ne serais pas là, je ne suis pas là. C'est à cause de cet amour que Dieu nous a cherché et nous a mis sur sa voie. Non seulement ça nous a permis d'être sur sa voie, non seulement ça nous a donné la joie de contenter, que son nom soit loué à jamais. Amen. Nous allons voir et Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour dans sa vie. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Quand Jésus il est arrivé à cette terre, quand il allait laisser ses disciples, il voulait que les disciples comprennent et son but, le pourquoi il est là. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Aujourd'hui, nous voulons voir qu'il n'y a personne qui peut venir à la place d'une personne. Chacun essaie de se mettre. Jésus, Dieu envoie Jésus pour qu'il meure pour nous tous sur la terre. À cause de ça, Jésus a donné sa vie pour nous. Il a laissé sa gloire dans les cieux. Il a laissé ce qu'il fait, ce qu'il a laissé tout pour toi et pour moi, pour nous venir chercher dans ce monde. Que ce soit loué à jamais ce soir. Jésus, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique de telle manière que Dieu, il connaît nos souffrances, il connaît nos comportements. Dieu connaît dans les cieux, il a jeté un coup d'œil sur la terre, il a vu notre misère, il a dit, mais il ne peut pas laisser cette grâce humaine dans la misère. Et Dieu, ce n'est pas la première fois que Dieu est descendu. Dieu était descendu au temps de nos aïeux, au temps d'Adam et d'Ève. Dieu est descendu pour parler avec Dieu, pour parler avec eux, mais nos aïeux, ils ont eu peur, ils ont fui Dieu. Que le Seigneur te donne la force de ne pas vivre ce soir. Dieu avait tout ça, Dieu n'a pas oublié. Dieu a dit non, c'est moi qui laisse ma création. Tu vas encore descendre. Et Dieu est descendu encore pas dans la chair humaine pour nous ramener à lui, que son nom soit lui ce soir. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour, c'est un grand amour. Cet amour nous a donné la vie éternelle. Cet amour nous a pu donner et la confiance en cet amour, nous avons de la confiance. Cet amour nous permet de le chercher à fond. Cet amour nous permet de l'avoir et dans notre vie, que ce soit loué à jamais. Oui. Donc, l'amour de Dieu, c'est un amour infini. C'est un amour que rien dans ce monde ne peut pas le remplacer pour nous. L'amour de Dieu, c'est plus que l'amour d'une femme à un homme. C'est plus que l'amour d'un père à ses fils. Parce qu'il nous a dit qu'un jour viendra où même l'amour des parents peuvent être mis fin pour aimer leurs enfants. Mais l'amour de Dieu n'en a pas de fin. L'amour de Dieu est éternel pour ses enfants. L'amour de Dieu est éternel pour ceux-là qui l'ont trouvé. C'est pas pour tout. L'amour de Dieu ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux-là qui cherchent. Ceux qui cherchent, ils trouvent. Que c'est un don de ta force que tu cherches. Amen. Non, c'est un des lattes d'un cet amour ce soir. Cet amour ne se trouve pas
pas par le salut. Si nous avons le salut, cet amour dans notre cœur. Si nous avons cet amour, nous sommes fiers. Que ce ne soit loué jamais. Amen. Donc, nous allons voir aussi dans Romains 5, verset 8. Verset 28, qui nous dit, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, il a prouvé son amour envers nous parce que nous étions des pécheurs. Nous étions des pécheurs parce que chacun suivait sa propre voie, chacun cherchait et chacun allait selon ce que c'est dans son cœur. Mais Dieu, dans son propre, dans son grand amour, nous a cherché. Lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous nous perdons, lorsque nous voguons dans le péché, lorsque nous prenons le péché comme le mot dans la vie, Dieu il s'est chargé de nous, il est venu nous chercher, que ce soit lui ce soir. Dieu nous a cherché. Lorsque toi et moi, nous péchons, il a dit non, ses enfants, il ne peut pas laisser les venir chercher, que ce soit lui à jamais. Amen. Dieu qui a cherché les pierres et les apôtres, il est le même aujourd'hui. Si tu nous donnes l'autre vie, il va nous recevoir ce soir, que ce soit non. Qui donne la force de chercher ce soir? Amen. Que ce donne la force de chercher ce soir? Qui donne la force de chercher ce soir? Amen. Et si vous voyez aussi, 1 Jean 4, 9 et 10. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si nous acceptons Jésus, nous en vivons parce que Jésus a la vie éternelle. Jésus a voulu mettre cette commande en ses apôtres en disant, il n'y a pas le plus grand amour c'est dans Dieu, c'est en Dieu. Le plus grand amour quand on dit, c'est parce que c'est l'amour qui vient du ciel, c'est l'amour qui vient du ciel, c'est pas l'amour de ce monde. C'est pour ça que Jésus a voulu que ses disciples aient la notion de cela avant que nous aussi nous ayons cette notion, que son nom soit loué à jamais. Amen. Donc si nous voyons Luc 23, 41, mise en voie, l'amour de Dieu envers le pécheur qui mourait, le pécheur qui attendait le jugement, Dieu l'a manifesté son amour envers lui. Ce soir, même si tu te dis que tu es pécheur, même quoi qu'en soit le péché que tu as fait, quoi qu'en soit la qualité de péché que tu as fait, quoi qu'en soit le mal que tu as fait dans le monde, le sang de Jésus est tout puissant pour te là ce soir. Amen. Et si seulement tu peux venir chez Dieu, si seulement tu peux prier, si seulement tu peux crier le Seigneur de Dieu, si seulement tu peux crier, Seigneur, sauve-moi, pardon, va te pardonner ce soir. Amen. Nous allons voir l'exemple d'une personne dans la Bible, Luc 23, 41-43. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nous devrons mériter. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Amen. Ce soir, le Seigneur dit ce soir que tu vas ta prière aussi ce soir. Amen. Parce que nous avons dans le chant tout à l'heure, le Dieu nous dit que permets-moi de toucher Jésus. Mais ce soir, ce n'est pas la présence de Jésus. Ce voleur qui mourait, il a touché Jésus par sa parole. Il a touché Jésus par la parole, parce que sa parole qu'il a prononcée, cette parole a fait mouvoir la force du ciel. Cette parole que le voleur a prononcé, ça fait vibrer la présence de Dieu. Et Jésus a dit, ce soir, tu es avec moi ce soir. Ouais. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu veux te dire que c'est fini, c'est pas fini. Dieu est là pour te prendre ce soir. Dieu qui m'a pris, Dieu qui a pris les soeurs que tu as témoigné, il est même là pour te prendre ce soir. Si tu peux seulement prier son nom, si tu peux seulement te laisser à ce Dieu, tu peux seulement prier ce Dieu, tu peux seulement faire comme ce voleur dit, moi, je suis pécheur, je suis en train de subir ce que j'ai semé, mais Jésus n'a pas fait, Jésus n'a rien fait, sauve moi. Ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus est là pour te sauver. Il est là, il est là à tout faire, parce qu'il a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé son fils, et Jésus a tant aimé nous, Jésus il a souffert pour toi, il a tout fait pour que tu sois, pour que moi et toi, nous soyons au contact de sa parole, et ce soir, il est là pour te sauver encore. Amen. Il est le même hier, même aujourd'hui, il veut te sauver ce soir. Ce voleur, il a crié le Seigneur, c'est là pour te sauver. Et c'est le Seigneur là, il est fatigué pour te sauver ce soir, il n'est pas fatigué. Le Seigneur, même, il va tout faire ce soir. Si seulement tu peux crier son nom ce soir, mon frère, ma soeur, crie le Seigneur, il va te sauver ce soir. Amen. Et là, ce soir, te sauver. Il est là pour te sauver, il est là pour te baptiser. Même si tu es malade, le Seigneur là te guérit. Parce que ce que Dieu a fait, il a porté tous nos souffrances, il a porté ton corps. Il a porté toutes nos faiblesses, ton corps. Ce soir, il te dit, si tu es prêt, comme ce voleur, tu te sauveras, il te sauvera ce soir. Amen. Parce qu'il est temps de prier. Prie le Seigneur, il te sauvera. Amen. Prions. Ô Père éternel, nous te disons merci. Amen. Amen. Seigneur, amen. Et ce soir, nous allons sur nos genoux. Seigneur Jésus, toi qui as touché ce voleur-là, qui lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur Jésus, il faut nous répéter cette phrase. Amen. Amen. Nous voulons avoir.
toi cet amour dans notre cœur. Et nous voulons que tu nous sauves, Amen. Que tu sanctifies, Amen. Que tu bâtis de ton esprit, Saint. Que tu guéris tous ceux là, tous ces malades là qui se sont connectés ce soir. Saint Jésus, guéris-les. Amen. Nous voulons rentrer avec la joie. La joie de Marie, la joie de sanctification, la joie de la terre, la joie de Jésus. Amen. Au nom du Seigneur, Amen. Amen.